truc à te faire faire. Allez. Salut, 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 salut. Du boulot, du boulot. Y'a un truc à te faire faire. Allez. Oh, Emma qui est prévu un thé dansant et l'invité d'honneur a disparu. Rends-moi service. Attire notre invité à la fête ou je boufferai tes bébés. Son nom, c'est brochette de chair, en fait. Toujours pas fini? Non. Ah, je suis mal là. Shoot dans le bébé. Eh putain. Je vais te battre un pied. Je vois pas de ça. Sérieux? T'inquiète, je t'aime quand même. Ok. Une arme moins forte. Je vais me taper. C'est la mission la plus dure du jeu. Salut, 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 salut. Du boulot, du boulot. Ok. Non! Mais moi qui ai prévu un thé dansant et l'invité d'honneur a disparu. Rends-moi service. Attire notre invité à la fête ou je pourrai tes bébés. Son nom, c'est brochette de chair, en fait. Allez, viens.
Ah non, ah non. Putain, mais... Bon, ok, je change de bouclier. Je change de bouclier. Je prends un bouclier... Explose pas. Je t'aime quand même. Elle m'aime quand même. Mais... Si je pouvais prendre un flingue qui me tue d'elle, ce serait bien. Ah, celui-là me tue d'elle. Je boufferai tes bébés. Son nom, c'est brochette de chair, en fait. Le voici. Brochette de chair, l'invité d'honneur. Attire-le dans ma demeure et je m'occupe du reste. Au centre, brudasse ! Fais trembler ta famille. Bah ! Brochette de chair et aux chiottes, il se refait une beauté. Cool. Cool. La fête va commencer. Tu feras le service. Mets une tarte à Monsieur Tincelle pour faire venir Brochette de chair. Regina. Parfait. Bon bah c'est Elvis le bâtard qui va être à l'aise. Ah d'accord. Ok. Princesse Ralatouf. Princess. Flabby Butts. Flappy Butts. Une dernière photo, mec. Oh, j'avais pas précisé. Les amis de Brochette de chair sont invités aussi. Fais gaffe que ces foufous ne détruisent pas le générateur.
Merde. Qui c'est qui veut faire un des dansants qui déchire? Oh, et ça chatouille. Entraîne la mortesse. C'est pas toi qui m'a... Je à accueillir les amis de brochettes de chair de la façon qui te convient le mieux. Ouais. L'autre jour, sans Reginald, à propos des expériences sur le slag, j'ai oublié de dire. Fillette, tu vas me laisser partir, sinon je t'arrache la peau. Merde. Tu vas dire des choses. Ah, c'est Merde.
Laisse-moi sentir là. Va commencer. Tu feras le service. Mets une tarte à Monsieur Tincel pour faire venir Brochette de chèvre. Je parie que ta mère et ton père ont hurlé avant de crever. Quand tout sera prêt, t'auras qu'à foutre une grosse tarte dans la gueule de Brochette de chèvre. Princesse. Oh, j'avais pas précisé. Les amis de Brochette de chair sont invités aussi. Fais gaffe que ces foufous ne détruisent pas le générateur. Le ciel se dissoudre et se vide. Je mets les mains autour de ton cou. Si l'éternel n'avait pas interdit à l'homme de se... J'ai hâte de te faire. Il y a de munitions de puissance. Merde. Je veux tout, moi. Je suis prêt à faire un bon de merde. La mort est si proche. Tu disais, chère princesse, je ne t'entends pas avec le bourreau que sont les amis de Brochette de chair. Quelle bande de malentrus. Sac à merde de baiser de Nabo. Je suis à sec. Arrête de bouger. Continue à accueillir les amis de Brochette de chair de la façon qui te convient le mieux. Je vais les accueillir avec un... Mm-hmm.
Ah non, c'est plus de... Merci, merci. On s'en fait toute une montagne. Ah, il commence à se faire ça. Monsieur Brochette de Chêne va se refermer. Je me souviens de toi, petite. Tu devrais être morte. Tu
C'est vrai. C'est une très bonne remarque, monsieur Brochette de Chêne. Monsieur Tincel, qu'en pensez-vous? Non! Pardon d'avoir vendu ta famille! La meilleure bête de ma vie. Ah bah je vais éviter ça.